On avait un message là. Féliciter Kumalo, bien sûr. Madère, où es-tu, nana? C'est l'entraîneur de Shippa United. La rencontre face à Amor 5-3 a illustré le nombre de buts inégalés lors d'un match joué parmi les fortes compétitions. Le match de premier foot de la première division était aussi une rencontre entre Magessi et Grud sur le score de 4-3. 47 points inscrits parmi les fortes FC au cours d'une même saison représentent un nouveau record pour le club. Non, pour l'instant, on est en train de battre tous les records. Non, ça, c'est bien. Ça, c'est impeccable. Je suis content. Message. Donc là, tout est prêt, on n'a rien à faire. Critiquer Kumalo pour ses prestations en entraînement. Allez voir, on a fait combien des matchs? A voir. Hop. Donc on va ranger l'équipe, donc Seraya il est blessé. Donc on va mettre Oliver. Malader, on va remettre c'est Zulu qui joue là. Non, c'est Chili. Là, on va remettre Zungu. Après le reste, c'est bon. Voilà. Il n'y a rien à faire, on peut continuer là. Garcia signe une super règle, je sais. Allez, on peut continuer. Ah, Clermont qui reprend Laurent Blanc qui reprend Clermont. C'est ce que je voulais dire. Allez, confirmé. Donc il nous manque un U23, donc on va mettre. On va mettre un Gamnadi à la place de lui et... Voilà, impeccable. Il faut toujours 3-23, donc... Continue sur 5 victoires d'affilée. Bon, de toute façon, on n'a que des victoires, donc... Donc là, c'est un match en avance, parce que on aurait dû jouer dans 3 semaines contre eux, mais il y a le match de coupe. Contre Orlando Pirates qui arrive, donc voilà. Ah, mais il y a Barroca qui doit jouer en même temps que moi aussi. Il y a Barroca qui doit jouer là. Vu que Barroca est en coupe encore. Allez, on mène à 0 déjà. Ça, c'est une bonne chose, de fait. Donc, on passe à 50 points. Donc, on s'installe premier pour l'instant, avec 3 points d'avance sur nous. Il faut savoir qu'on se prend un jaune. Donc, on passe premier sur, avec 4 points d'avance sur le deuxième. Ce Barroca. Et c'est ça qu'il faut. Et si on gagne contre Barroca, on pourrait prendre jusqu'à... bah, si ne gagne pas ce match-là, bien sûr, la formation, il faut match nul. On pourra prendre jusqu'à 7 points d'avance. Donc voilà. Et quand je pense que l'objectif, c'était d'éviter la relégation. Donc, bon... Allez, faisons ça. Allez, vestiaire. Ce sera pas trop mal pour l'instant, mais je sais que vous êtes capable de faire mieux.
Ah oui, il y a Nguyen qui fait son deuxième match, ça c'est bien. Et on mène 2 à 0 pour l'instant, ça c'est super. Ah, je suis très content là, avec toutes les victoires qu'on est en train de faire, j'ai jamais vu ça. Ah, Baroka est en train de mener à 0 aussi. Donc ils reviennent à 2 points de nous. Et vu qu'ils sont à un match de retard, ça aurait bien de les gagner directement, comme ça, ça permettra d'être tranquille. Allez, on mène 3-0. C'est ça que je vois surtout. Si on arrive à mettre à 80 buts, ce serait super. Ouais. À toi, tu vas sortir, on va rentrer Ndlabi. Et tu es le seul qui va sortir pour l'instant. Hop. Donc Niambe à la place de Oliver. Et Merti Kayan à la place de Malcolm Nazi. Donc Oliver là. Bon, on va faire comme ça. Et on va faire les derniers changements. Donc Kumelo, on va le sortir, on va mettre Miyakazi. Et le moins près, c'est après, c'est Ezda qui va rentrer à la place de lui. Voilà. Allez, encore 4 minutes de nerf, de toute façon on gagne 3-0, on est bien. Je pense qu'on aura même temps de faire le prochain match. Il reste 14 minutes, on aura le temps. On aura fait 6 matchs aujourd'hui. Bien sûr les gars. Ça nous met premier avec 7 points d'avance sur le 3ème, c'est la bonne nouvelle. Et surtout 2 points d'avance sur Baroka pour le prochain match qu'on va jouer contre eux bien sûr. 35 points d'avance, donc on va être tranquille. Allez, on va fêter Martigan. Plus grand nombre de victoires consécutives pour Milford. Les 12 victoires consécutives de Milford constituent un nouveau record. Ah bah c'est pas fini, parce que si ça continue. 12 matchs d'invincibilité. Donc pour l'instant, on est en train de battre des records là. Je sais pas c'est combien le record du championnat. Installe naturellement l'équipe en première division. Bon, on avance. Donc on va aller ranger l'équipe. Ah bah y'a rien d'autre. Bon. Là de tour on peut te remettre. Ah c'était qui le titulaire? C'était c'est plus Kanazi normalement. Voilà, on va laisser comme ça. Il n'y a pas meilleur que lui maintenant. Ah bah si il est meilleur que lui. Lui Kazi est meilleur que. Elle travaille dur. Donc, un petit message, mise à jour des recherches. Ah, faut le faire. On a B, donc on s'en fout. Donc A, lui, il va être libre ou pas? Donc il va être libre. Il aurait 37 ans. Bon, on va proposer un contrat. Non, il veut pas venir. Donc lui, il sera libre aussi. Il veut pas venir. Lui, il sera libre aussi. Retiré. Voilà.
Donc lui, alors, il va être libre beaucoup plus tard. 31 décembre 2024, ça m'intéresse pas. Lui sera libre aussi, mais voilà, il y a trop d'écart, il viendra pas. Non, c'est mort. Tant pis. Toi. Ah bah, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire le match en fait. 30 juin 2024, il va être libre aussi. Il va pas me dire. Ok, toi. Il sera libre aussi. Il va pas me dire. Voilà. Concernant les transferts. Bah ouais, bah on verra. Toi, vous montrez très bonne chose. Allez, un message. Toi, tu peux y aller et c'est tout. Tu vas être le seul à y aller. Pas grave, c'est comme ça. Tac. Comme ça va prendre le temps. Cet épisode arrivera jeudi et je vais faire du montage vendredi, jeudi matin pour avoir des vidéos vendredi. Ah mince, c'est vrai. On va mettre qui là? Ah tiens, Oliver, tu vas aller jouer à la place de Mikasi. Voilà. Les matchs du live. Donc voilà. On espère encore une victoire. Donc contre Baroka. Les matchs. Donc voilà. Et ce serait bien de gagner parce que ça permettrait d'être tranquille au moins. D'avoir 53 à 48. Et avoir 5 points d'avance. C'est ça qu'il faut voir. Après, chez moi, je suis imbattable, mais bon. Ça va rien dire. Donc pour l'instant, on est hyper offensif, ça, c'est une bonne chose. Oh putain, pour l'instant on perd 1-0. Elle est critiquée. Faut qu'on aille chercher l'égalisation au moins. Pour l'instant le gardien but, leur gardien il arrête tout. Ah, maintenant on est hors jeu. Ah, oh, dommage. Dommage. Fait chier. Ah, oh, bah, on va se faire marcher dessus. On va se faire marcher dessus par Baroka. J'ai bien peur. Allez, on revient à 1-2. Ça, c'est une bonne chose. Il fallait chercher un deuxième but. Mais non! Oh non! Bon bah ça va être la première défaite de la saison je pense. La première défaite depuis plusieurs matchs. Après le match est pas fini mais ça va être compliqué. Ah c'est pas possible. C'est une déception. Tu vois ça va vraiment temps que vous mettez à jouer. Tac, tac. Eh chérie, tu vas sortir. Et on va rentrer. Bah allez.
Faites des divers, je crois en vous. Ah, c'est un peu bête ce match. On devrait pas perdre comme ça normalement. On tire 11 fois, ils ont tiré que 4 fois. Tac, et toi, tu vas sortir, on va rentrer. Ndabi. Cause que joueur, défense encore en vous. Voilà. Assez bien défendu. Ah bah non, c'est des... Les milieux de terrain, ils perdent facilement la balle. Là, c'est pas possible. Bah, ça a été une première défaite depuis 12 matchs. C'est dommage. C'est un peu dommage. Faut 10 erreurs défensives pas possible, on n'arrive pas à attaquer. Tout sur la sortie, on va rentrer le petit Malada. Voilà, on va faire un côté, je crois en vous. Voilà. Ouais, bon bah on s'est fait marcher dessus. C'est une déception totale parce qu'ils ont tiré beaucoup moins de fois. Je suis désolé, c'est une déception. C'est anormal qu'on perde comme ça contre un club de qui est deuxième, en sachant qu'on a battu une première division. Anormal. Mais bon. On n'a rien pu faire. Bah voilà, voilà, on a perdu. Première défaite. Donc on voit les notes là. 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 C'est une dommage. Ah, c'est une déception. Bon, bah c'est pas. Putain, mais on est tous devant eux. Putain, on était meilleurs eux. Message. Nezema pour quitter Milford. Ah, toi, on va offrir un contrat. Non, bon, on s'en fout du gardien retiré. Bon bah il restera pas. Et on va offrir un contrat. Lui aussi. Tout ça on rapporte la décision. Tu as, je te offre un contrat aussi. Rapporter, rapporter. Lui, on va lui faire un contrat. Pour l'instant, c'est annulé.
Donc lui, il restera pas non plus. Voilà, non, c'est trop différent. Ça, c'est mort, je crois. J'ai toujours pas assez d'argent, malheureusement. Ah, toi, je peux. Ah. Encore un qui est prolongé, ok. Impeccable. Donc pour l'instant, on est plus. On a gagné 15 000 euros là. Voilà, on est très bien là. L'intensité du pressing. Nouvelle femme adverse. Ça, c'est bien. Ouais. Nombre élevé de coups de pied arrêtés. Nombre de faibles buts concédés. C'est le coup de pied arrêté. Ça, c'est bien. Tir arrivé, frappe chirurgicale. Voilà, on continue. C'est mon contrat. Bah, profil, mon contrat, détail du contrat. Ouais, 30 juin 2024. On a A+. Et A+ là aussi. Objectif, les mises des jeux. Ouais, les promesses. Bah, y a rien. Toi, tu reprends l'entraînement complet. Ah, ça y est, on m'a posé un nouveau contrat. On va débuter les négociations. Donc ce sera un an de plus. En 1700, bah. Donc c'est parti pour un an de plus. Donc on est reparti jusqu'au 30 juin 2025. Alors toi, je vais te mettre, je vais remettre Vikesi. Non, Vikesi, pas Camelo. Ok, pour l'instant, on est bon. Allez, on va arrêter là. Donc, hop, donc pour ceux qui ont vu l'audif de l'œil, je vais vous laisser ajouter à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la plus tout le monde.